Explorer les valeurs humaines partagées, résoudre les défis auxquels le monde est confronté. Présidé par Wang Xiaohui, directeur exécutif adjoint du département de la communication du comité central du PCC, le Forum international sur la démocratie est en cours à Beijing pour stimuler les échanges et l'apprentissage mutuel et faire progresser le développement de tous les pays du monde. Alors que la COVID-19 continue de ravager le monde, l'humanité est confrontée à des déficits croissants en matière de gouvernance, de confiance, de développement et de paix. La démocratie est la quête partagée de tous les peuples du monde. Nous devons promouvoir la solidarité, la coopération et le bien-être des peuples et mettre fin au séparatisme, à la confrontation et aux turbulences sociales. Le forum souligne que la démocratie n'est pas une décoration ou un ornement, il faut qu'elle fonctionne pour les peuples. Si cela ne peut pas mettre les peuples au centre et améliorer leur bien-être, peu importe à quel point la rhétorique est exquise, ce type de démocratie ne fait que se tromper et tromper les autres. La pratique de la démocratie ne peut être fiable que si elle est enracinée dans le sol du pays. La recherche sur la théorie démocratique ne peut être convaincante que si elle est basée sur les conditions de son propre pays. Des dignitaires et des intellectuels de plus de 120 pays, régions et organisations internationales partagent leurs réflexions sur les origines, les valeurs et les principes de la démocratie, appelant au multilatéralisme et à la coopération. Bien que différents pays aient des systèmes sociaux différents, ils doivent se concentrer sur les valeurs communes de paix, de développement, d'équité, de justice, de démocratie et de liberté. Ce n'est qu'en partageant les ressources et en coopérant entre tous les États et les peuples de la planète que nous trouverons une solution pour mettre fin à la situation actuelle d'urgence sanitaire et de crise économique.